Ici, à l'abbaye, dans le fond, on n'a pas de ferme en tant que telle. Alors, le lait, il provient des fermes des alentours. Alors, on parle Stanstead, Coaticook, Dixville. Et on a quand même ciblé certaines fermes parce que, dans le fond, nos fromages, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le lait entier, on le pasteurise et on le transforme. Donc, il n'est pas écrémé, il est seulement pasteurisé. Plusieurs fromageries vont rajouter des matières modifiées du lait, alors de la poudre de lait, pour avoir plus grand rendement fromager. Nous autres, le fait qu'on prenne uniquement le lait entier, on est obligé, dans le fond, de jouer un peu avec les saisons parce que les vaches ne mangent pas la même affaire en été qu'en hiver. Et c'est sûr que le produit reste, à ce moment-là, plus artisanal. Dans le fond, c'est trois familles de fromages qu'on pourrait dire. Il y a les fromages de type suisse, il y a les fromages Fontina qui se trouve être un gouda de type italien, et on a le fromage bleu. Et il faut dire qu'ici, vraiment, ce qui est le dada de la fromagerie en tant que telle, c'est le fromage bleu. On a été les premiers à en faire au Québec. Alors, en 1943, on a plusieurs Français qui viennent au Québec et qui nous disent comme commentaire que notre bleu est excellent. Puis, venant des Français, c'est encore plus touchant, là.